C'est à une véritable fête riche en couleurs qu'ont eu droit les milliers d'athlètes et invités venus de plus de 200 pays lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Pour la circonstance, le mythique Stade Maracana s'est transformé en véritable temple de l'histoire et de la culture brésilienne avec en toile de fond les questions environnementales. En particulier, le réchauffement climatique. Parmi les temps forts, le passage de la toute première équipe olympique des réfugiés de l'histoire, l'un des plus applaudis de la soirée. Les projecteurs étaient également braqués sur la délégation russe, fortement réduite à cause des allégations de dopage. Seuls 271 sportifs ont été autorisés à prendre part aux Jeux. Autre fait marquant de cette cérémonie, le président par intérim Michel Temer, hué par une partie du public du Maracana. Un reflet des tensions politiques qui secouent le Brésil depuis plusieurs mois. Le Kenyan Kipchoge Keino, ancien champion olympique, aujourd'hui âgé de 76 ans, est le tout premier bénéficiaire du lauréat olympique. Cette nouvelle distinction du CIO lui a été remise juste avant que l'ancien coureur de fond Vanderlei Cordeiro n'allume la vasque olympique en l'absence de la légende du football brésilien, le roi Pelé. À l'extérieur du stade, malgré les protestations quasi quotidiennes, de nombreux Brésiliens ont apprécié le spectacle. C'est merveilleux, très beau, très joli, merveilleux. C'est encore mieux parce que nous sommes tout près du Maracana, avec cette belle vue. Peu de gens ont droit à ce privilège. Merveilleux. Et la partie la plus importante, c'est la musique de Flamengo. Jorge Benjor. C'était incroyable. Le Brésil vit de bons moments avec les Jeux Olympiques. J'espère qu'on aura droit à de merveilleux Jeux. Environ 5 milliards de personnes ont regardé cette cérémonie, retransmise en direct par les télévisions du monde entier. À présent, place à la compétition et à la conquête des médailles.